Le prochain épisode d'Origine va bientôt commencer. Abonnez-vous pour ne pas louper les suivants et bon visionnage. Bonjour. Vous êtes-vous déjà mis à la place d'un personnage historique au point de réfléchir comme lui dans son contexte? Si je vous pose la question, c'est parce que l'autre jour, j'étais parti pour vous faire un épisode bien joyeux sur l'assassinat de Jules César. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, l'histoire de meurtre en famille, ça me détend. J'ai pas son truc. Bref, au détour de mes lectures, je tombe sur une phrase du type « Jules César est mort assassiné le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, à la suite d'un complot, etc. etc. » Et du coup, eh bien, dans ma tête, je me suis refait un peu l'histoire en me mettant à la place de Brutus et Longinus, fomentant contre César, ayant décidé d'assassiner Jules César le 15 mars 44 avant Jésus-Christ. Et c'est là que je me suis fait mal au cerveau. Eh ben oui, du coup, ça ne joue pas. Parce que nos ancêtres antérieurs à la vie de Jésus ne pouvaient tout simplement pas compter en année Jésus, vu que celui-ci n'existait pas encore. D'où la question centrale de cet épisode, comment comptait-on les années avant Jésus-Christ? Générique. Bon, faisons coup pour l'introduction. Même si Homo sapiens n'a pas toujours fait preuve d'un génie exceptionnel, d'ailleurs si c'était le cas, le génie ne serait pas si exceptionnel, il faut bien reconnaître que ce dernier possède un don pour l'observation et très vite, il comprit que tout est à peu près cyclique. Le jour succède à la nuit, les lunaisons durent 29 jours et des périodes plus ou moins chaudes s'alternent, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les saisons. Et tout ça, il a bien fallu le mesurer. Alors au début, on y allait avec les outils qu'on possédait, c'est-à-dire un simple bâton et le soleil, ce qui donna le gnomon, qui engendra ensuite le cadran solaire, puis on inventa la clepsydre, le sablier, l'horloge et l'iWatch. Ouais, là je suis allé un petit peu loin, on remonte dans le temps. Dès l'origine de l'humanité, les premières civilisations ont eu besoin de mesurer le temps pour subsister, afin par exemple de fixer plus précisément les périodes des récoltes. C'est pourquoi très tôt on inventa le calendrier. Les premières traces de cet outil remontent au 5e millénaire avant Jésus-Christ, à l'époque où l'homme commençait à se sédentariser. Alors bien sûr, n'allez pas imaginer les calendriers papier comme on a aujourd'hui, où on cocherait chaque matin une petite croix dans une case. Hein. Les tout premiers calendriers, eux, ressemblaient plutôt à des mini Stonehenge, si vous préférez, et des cailloux plantés dans le sol. Et le plus vieil exemplaire de ce type de calendrier a été retrouvé en Égypte, en plein désert, sur le site de Napta Playa. Ce premier calendrier indiquait le solstice d'été, qui était une date très importante, car elle marquait le début des pluies et rythmait les récoltes. Alors, hormis le solstice d'été, ce calendrier était basé sur les cycles de la Lune, qui était divisé en ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui 12 mois de 29 jours. Et s'ils avaient choisi la Lune plutôt que le Soleil, eh bien, c'est tout simplement parce qu'il était beaucoup plus facile d'observer les cycles de nos satellites plutôt que ceux de notre étoile. Et depuis ces temps lointains, eh bien, l'homme n'a jamais cessé d'améliorer les systèmes de comptage du temps. Et pour ce faire, eh bien, quel que soit le laps de temps que vous souhaitez mesurer, il est toujours nécessaire de prendre des points de repère. Cela peut être du lever au coucher du soleil ou encore les cycles de la lune. Mais pour ce qui est de déterminer de longue durée, il a toujours fallu fixer un événement initial que l'on nommait l'an 1. Oui, parce que juste entre nous, l'an 0 n'existe pas. C'est une décision tout à fait arbitraire, on passe de moins 1 avant Jésus-Christ à l'an 1. De nos jours, les chrétiens et une grande partie du monde utilisent le calendrier grégorien qui a été instigué par le pape Grégoire XIII. Il n'est donc pas étonnant que notre repère initial dans le temps soit la naissance de ce bon vieux Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le seul calendrier en vigueur de nos jours. Tenez par exemple, le calendrier hébraïque est un calendrier composé d'années solaires mais de mois lunaires et qui prend comme événement initial le récit de la Genèse, autrement dit, la création de l'univers, l'infini et au-delà par Dieu. Ce qui veut dire que si nous sommes en 2017 dans le calendrier grégorien, eh bien nous sommes en 5778 dans le calendrier hébraïque. Ça ne nous rajeunit pas. Vous avez également le calendrier musulman qui lui est un calendrier lunaire. Il est basé sur l'Hégire, c'est-à-dire le départ des compagnons du prophète Mahomet de la Mecque pour l'oasis de Yathrib. Mais la petite spécialité du calendrier musulman, c'est que, selon la tradition, le début d'une année lunaire doit être observé à l'œil nu et non pas selon un calcul astronomique. Et donc, encore aujourd'hui, on a des calendriers qui diffèrent de quelques jours pour les pays qui l'utilisent, selon si les autorités locales ont pu apercevoir le premier croissant de lune ou pas. Bon, ben vous avouerez que c'est pas forcément très pratique qu'on essaye de s'organiser, mais bon, les traditions. Le calendrier chinois, quant à lui, est un calendrier lunisolaire qui est, je trouve,
affreusement tordu pour les non-initiés. Alors il faut savoir qu'il a pas mal évolué au fil du temps. Au début par exemple, les jours étaient numérotés, mais pas les années. Et puis on a commencé à les compter en années de règne du souverain local, que l'on exprimait selon un cycle sexagésimal, auquel on ajoutait le nom du souverain. Alors pour ceux que ça intéresse, les amis des maths, pour faire très court, très simple, un cycle sexagésimal, on pourrait dire que c'est tout simplement compté en base 60. Et puis les empereurs chinois vont faire à peu près de même. Eux vont encore diviser leur règne en ères parce que ça fait plus classe. Voilà. Pas toujours trouver une raison à tout. Bon, malgré un compte d'années si compliqué, ça les a pas empêchés de merder. Faut savoir que dans le calendrier chinois, l'année 1662 et 1722 portent le même nom. Tout ça parce que l'empereur a vécu un petit peu plus longtemps qu'il l'avait prévu, et puis Pépé avait pas divisé son règne en ères. Et voilà, c'est con, mais c'est comme ça. Donc vous comprenez maintenant que personne ne compte de la même façon encore aujourd'hui, et c'était bien pire par le passé. La façon de compter les années, de mettre en place les calendriers, a toujours été fortement dépendante de la culture et de l'histoire des populations. D'ailleurs, nous avons vu 4 calendriers plutôt connus et encore utilisés de nos jours, mais à cette liste, on pourrait ajouter encore le calendrier persan, copte, arménien, indien, julien et tant d'autres. D'ailleurs, pour boucler cet épisode, revenons sur l'événement qui a lancé notre réflexion sur le sujet. Du temps de l'assassinat de Jules César, il y avait plusieurs façons de compter les années. Je sens que ça va encore être épique. Certains comptaient à partir de la fondation de la ville de Rome, quoique ceux-ci n'étaient plus très nombreux à cette époque. Pour nommer ce que nous appelons les années, la plupart des gens de l'époque utilisaient les deux noms des consuls de Rome qui étaient nommés le 1er janvier de chaque année. Après Jules César, on verra apparaître une notation selon le nombre d'années de règne de l'empereur. Et dès 537 du calendrier grégorien, l'empereur Justinien imposera la mention du nom de l'empereur et de celui du consul. Donc Jules César est mort le 15 mars des consuls Jules César et Marc-Antoine du calendrier julien. Un calendrier qui avait été introduit par Jules César lui-même. La boucle est bouclée. Eh bien, on pourra dire que cet épisode nous aura fait voyager dans le temps et aussi géographiquement. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup savoir quelle est votre période historique favorite afin simplement que j'oriente les prochains épisodes sur des thématiques qui vous plaisent. Alors, dites-le moi dans les commentaires. Vous voilà riche d'une plus grande connaissance en ce qui concerne la mesure du temps avant l'avènement du calendrier grégorien. Si l'épisode vous a plu, bien vous connaissez la rengaine. Un pouce bleu pour montrer votre satisfaction et un partage si vous souhaitez que la chaîne progresse. Sur ce, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt dans le futur pour explorer un peu plus notre passé. Salut !